Botteler 6 asperges blanches. Il faut toujours les botteler. Mmh. Bah oui, pour que les têtes ne cassent pas, parce qu'elles sont fragiles. Donc mmh. ça évite qu'elles s'éparpillent dans l'eau. Saler l'eau à ébullition au gros sel. Quand on sale, hein, il faut toujours... Il y a une règle, c'est le minimum 10 grammes au litre d'eau. Et quand on pèse 10 grammes de gros sel, on voit que c'est volumineux. Et cuire les asperges pendant 5 minutes. Vérifier la cuisson et rafraîchir rapidement les asperges dans de l'eau glacée avant de les réserver sur un papier absorbant. Faire la vinaigrette avec du sel, ajouter une cuillère à café de moutarde, poivrer. Incorporer 3 cl de vinaigre de miel et émulsionner avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. À l'aide d'un emporte-pièce, découpez 2 cercles de mie de pain, ôtez la croûte et biseautez les 4 côtés. Chauffez un filet d'huile d'olive et colorez les lunettes de mie de pain sur feu doux. Versez 2 œufs de caille par lunette, attendre que le blanc soit bien cuit. Et réservé sur feu éteint. Dressez 6 fines tranches de magret de canard par assiette. Ajoutez les asperges, les nappez de vinaigrette. Placez les lunettes aux œufs de caille accompagnées d'une petite touche de rillettes et finir avec une pointe de vinaigrette, quelques grains de fleur de sel et un petit tour de poivre du moulin.